Eh, dis-moi, t'as déjà fait un coucher de soleil sur le Pacifique? Parce que moi, pas encore, mais là, c'est en train d'arriver, hein. Aujourd'hui, je suis à La Serena, dans la partie du Norte Chico du Chili. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Chili a deux nords. Il y a le Norte Chico, qui est la première partie au-dessus de Santiago et de Valparaíso, dans laquelle je suis actuellement. Et au-dessus se trouve le Norte Grande. C'est un peu comme en France, en fait, où quand on écoute les gens du Sud, il y a Paris, c'est le Nord, et au-dessus, c'est l'extrême Nord. Par contre, je sais pas toi, mais là j'ai un petit peu faim. Au Chili, t'as un produit typique de street food que tu vas trouver à peu près partout, c'est les empanadas. C'est des petits chaussons comme ça. Il y en a pour tous les goûts, à la viande, il y en a au fromage, il y en a aux légumes. Ici, là, j'en ai pris un avec du fromage et du maïs, et c'est un vrai régal. Je suis en train de monter sur les sommets de La Serena, parce que c'est super vallonné, et j'ai cru voir au loin des montagnes gigantesques juste au pied de la ville. Du coup, on va aller voir là-haut parce que ça me paraît vraiment pas mal. Alors, à peine le temps de monter, que le ciel est déjà en train de se dégager et je soupçonne un brin de soleil qui va arriver d'ici une demi-heure et ça risque d'être super sympa pour la vue, donc je vais rester là un petit peu. Aujourd'hui, je suis dans la vallée de l'Elqui. S'il y a bien une région à visiter dans le Norte de Chico, c'est celle-là. C'est la région dans laquelle ils produisent le pisco, qui est l'alcool national au Chili. Pour te donner une idée, c'est un petit peu entre le rhum et la tequila. Ça se boit un peu comme un Cuba Libre. Ils appellent ça la piscola. C'est du pisco, du coca et un peu de citron. Et ça se boit aussi en pisco sour, avec du citron et du sucre, et rien de plus. Sinon, ça va, toi? Enfin, je veux dire, le métro, le boulot, ça se passe comment? Moi, ça va. On est ici à la distillerie de Doña Josefa, qui est une des distilleries du Pisco Elqui. Elle a eu une médaille d'or l'année dernière au concours et on va faire un petit tour de dégustation et découvrir comment est fait le pisco. Dernière demi-journée dans le Norte de Chico. Je vais en profiter pour aller me balader sur le bord de mer un petit peu. C'est une région qui vaut vraiment le coup. Et pour moi, l'aventure continue plus au nord. Je suis impatient de te retrouver. Et si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi, ça me fera vraiment plaisir. Et je te donne des nouvelles très bientôt. Regarde, avant de partir, je voudrais te présenter l'équipe nationale du Chili. Regarde. Tu m'étonnes qu'ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde.